Vidéo 47. Vidéo 47. La prédestination versus la théologie. La prédestination versus la théologie. Plus d'éloges, plus de louanges pour les exploits sociaux et intellectuels que les bénédictions spirituelles dans les églises. Wilder Voltaire, serviteur de Jésus-Christ, par sa grâce, selon le bon plaisir de sa volonté. Je répète, plus d'éloges, plus de louanges pour les exploits sociaux et intellectuels que les bénédictions spirituelles dans les églises. Les gens qui se trouvent dans l'étage plus haut du temple ont toujours fait plus de mention de leurs exploits sociaux ou économiques ou intellectuels pas derrière de l'autel. Au lieu d'être contents parce que leurs noms sont écrits dans le livre de vie de Jésus-Christ dès la fondation du monde, voici tout leur témoignage. Comment Dieu les a bénis avec une belle voiture, une belle maison, un bon mariage, une visa pour voyager à l'étranger, un bon travail. Comment Dieu les guérit de leurs maladies. Les hommes formés théologiquement parlant ont parlé souvent de leurs enseignements, de les enseignants théologiques. Quand j'étais à l'école théologique, quand j'ai gradué de l'école théologique, parfois on dit l'école biblique, ceux qui n'ont pas une formation théologique dans l'assemblée se sentent inférieurs aux prédicateurs formés théologiquement. Le message d'un théologien ou d'un homme formé théologiquement ou intellectuellement parlant est indéniable ou incontestable dans beaucoup des assemblées religieuses. Ces témoignages-là appartiennent à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce type de témoignages naturels existèrent dans tous les temps et même dans le temps de Jésus. Il corrigea les gens qui témoignèrent de cette manière. Semble-t-il, ces gens-là n'eurent pas encore reçu la joie du salut éternel de la part de notre Sauveur et Seigneur Jésus. Lisons la correction de notre Sauveur, Jésus, à quelques de ses brebis. Les 70 revint avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Luc 10, 17 à 20.